Alors, si je dis pas de bêtises, vous devriez voir là comme ça à l'heure actuelle une petite tache noire ici. Et ceci signifie que mon appareil, après 5 ans de bons et loyaux services et peut-être 5 ou 600 vidéos avec, m'a enfin lâché. Ouais, ça y est, je vais devoir investir. J'avoue, j'ai souvent dit que j'allais acheter enfin du meilleur matos, une meilleure caméra, du meilleur son, des trucs comme ça. Et Zach le crevard, tu vois, c'est un peu comme ton grand daron. Je suis un peu comme ton grand daron la folle qui met un tutu pour aller danser au bal, tu vois. Y a pas vraiment de rapport. Mais moi, tant que ça marche, je continue à l'utiliser. Ma mère, c'est pareil. À la maison de ma mère, tu vois, il y a une télé. Elle met littéralement, quand tu allumes, je sais pas si vous avez déjà eu ça, 1 minute 30 à s'allumer. 1 minute 30. Puis moi, quand je lui dis, maman, tu veux que je t'en achète une nouvelle? Tu veux que je t'en achète une nouvelle, j'ai des sous, tu veux je t'en achète? Non, t'inquiète, ça marche et tout. Bon, du coup, pas réellement besoin de me demander d'où est-ce que je tiens ce trait de caractère. Bon, du coup, on va quand même faire la vidéo avec, hein, vous doutez bien, vous allez vous en remettre. La petite tache noire, moi, elle est sur mon écran ici, il y en a certains, elle est au fond de leur trou de balle, on leur en veut pas. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur IW4X et aujourd'hui, c'est un jour où je suis très content. Il est 11h du matin et j'ai mon vol pour la fabuleuse Corse à 15h30. 15h30, on va être dans les environs d'Ajaccio pendant une semaine, ça fait du bien. Je recorde une vidéo à l'avance. En plus, je sais que ça fait quelques jours que je vous avais pas fait une vidéo sur code. Quelques semaines, pardon, ça compte en semaines quand même. Depuis mon petit trip Black Ops 1. Alors, Warzone, alors là, tu oublies quoi, totalement. Hein. À Warzone, mec, je suis passé à autre chose. En plus, c'est pas vrai parce qu'en ce moment, en stream, j'ai fait que ça. Je me la suis donné clavier souris. J'ai enfin un setup double PC propre, tout ça. Mais ça, c'est une propagande que vous verrez plus tard. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner voir le frérot. Moi, je pense que dans ma famille, j'ai plein de frères indignes, tu vois. De frères et de cousins indignes que je connais pas forcément. Comme disait Jamel Debbouze, depuis que mes salaires sont parus dans la presse, bon, je retrouve de la famille un peu partout. Et IW4X, c'est concrètement un de mes cousins. C'est un de mes cousins, les mecs qui ont créé ça, c'est mes cousins, c'est les frères. Donc on va aller jouer sur IW4X, un peu d'ancien code, ça me fait plaisir. Et puis on va parler de tout et de rien, on va se moquer des gueux qui peuvent pas aller en vacances, on va... Quoi? Non, ça, je rigole, je suis pas un enculé. C'est parti. Les gars, j'avais carrément oublié que cette map existait. Hein. Là, je te jure, j'ai voulu faire plaisir, tu vois, à la street. Mais je me suis dit, je vais pas aller dans les maps, tu vois, que on revoit toujours dans les anciennes vidéos MW2, les High-Rise, Termina, les compagnies. C'est bon, c'est du fait et refait. Moi, je vais aller dans une map de OG qu'on n'a pas revue depuis un long moment. Et nous voilà sur Bailout. C'est le nom anglais, je sais plus c'était quoi le nom français de la map. Mais ça, c'était une belle map de merde, quand même. Hein. Alors, je sais, hein, forcément, à chaque fois que tu critiques un truc, tu vas avoir les gens. Mais non, c'était pas si nul. Qui vont te dire, mais non, c'était pas si nul. Alors que, oui, oui, c'était si nul. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors, oh voilà, bah, petit double kill, hein, ils doivent pas être déçus, hein, c'est du hardcore. Hein. Oui, 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 oui. Aïe, 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 je veux pas crever. Je sais où il est. Bon, petite série de 3, c'était assez facile sur le coup là. En fait, c'est juste qu'il y a un pavlo au-dessus de notre tête. Et disons qu'un pavlo hardcore, c'est un petit peu une arme de destruction massive. On va pas se le cacher. Attends, regarde, petit Semtex, tu tues quelqu'un là. Oh là 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 là, mec! Là, je me familiarise avec les génies de Warzone qui campent dans tous les coins, sauf que moi, je le fais sur un jeu vieux de 11 ans. Et ça, vois-tu, mon ami, c'est un peu mieux. Et on se retrouve avec un arrière directement au début de vidéo. Vous savez, quand j'enregistre une vidéo code, les frères, ça m'arrive. Ah oui, ça m'arrive, hein, j'ai quand même fait plus de 500 vidéos sur ma chaîne. C'est un peu mon activité principale. Ok, encore un kill, c'est bien. Ok, deux... Oh, il me reste un kill. Un seul kill et j'ai le mitrailleur hélico. Un seul. Just one. Reviens, frère. Reviens, cousin. Non. Ah, je vous jure, je campe là, je m'en fous. Quand j'enregistre une vidéo code, je suis content quand le gameplay se passe bien et que tu vois, ça démarre comme ça sur les chapeaux de roue, mon frère. Ça arrive à me faire rappeler que le Tour de France n'aura pas lieu tout de suite cette année. Ah, ça, c'est le plus grand problème de mes vacances. Moi, parmi mes vacances, le Tour de France, c'était une composante essentielle de celle-ci. J'adorais, tu vois, taper des siestes devant les différentes étapes et avoir un chopper gunner, les amis. C'est parti, mitrailleur hélico en hardcore. J'espère qu'ils vont pas me le down tout de suite. Faites pas les gamins, faites pas les gamins. Laissez kiffer un peu, laissez kiffer un peu. Ok, un kill, 2 kills, 3 kills, 4 kills, 5 kills, et on enchaîne 6 kills, et on enchaîne 7 kills, et non, ouais, 7 kills, 7 kills, mon boy. Bon, c'est bon, je peux arrêter de camper. Je suis en. 18-0, 18-0, hein, 18-0, les amis, y'en a en 18-0 ici ou pas? Et équipe. Et qui perdent quand même. Faut pas m'en vouloir, faut pas m'en vouloir. Je vous jure, dès que j'ai commencé à faire ma série, je me suis dit, je suis obligé, tu vois, d'essayer de faire plaisir, de faire attention. Bon, en tout cas, moi, je suis très content de retourner voir nos amis modeurs, hackers, tout ça, de Modern Warfare 2, de IW4X. Ces grandes personnes nous ont réellement fait un jeu qui est absolument fantastique. Et je me demande jusqu'à quand il va encore marcher en réalité. Parce que t'imagines que 11 ans plus tard, il y a encore des gens sur ces jeux, mais au bout d'un moment, le pool de joueurs, il va arrêter de se renouveler. Là, concrètement, tout ce qui joue, c'est l'époque de nos grands frères. Sauf que l'époque de nos grands frères,
frère. La raison pour laquelle c'est le grand frère, c'est que ses grands frères, ils commencent aussi à avoir des gosses, une famille et autre chose à faire que d'aller sur Modern Warfare 2 PC. Tu vois, je vois mal les gens Fortnite de 15 ans. Ouais, on va build fight. Commencer à s'intéresser à W4X et essayer de le télécharger. Donc bon. Lolololol. Bon, cette fois, on part sur du plus classique. Hein. Je vais pas non plus, tu vois, faire que de la map un peu bizarre. Mais je pense que ça vous a dû vous faire plaisir de voir une map aussi chelou. D'ailleurs, regarde, la vidéo, elle est même pas terminée. Tu sais ce que je vais te demander? Je vais te demander de mettre un pouce bleu, mon con. Mettez un pouce bleu. Moi, je veux faire des vues. Je veux du référencement. Et je veux des abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour un des meilleurs youtubeurs que vous ayez jamais suivi. Je le sais. Je le sais. Si ça fait depuis des années que vous me regardez, c'est parce que je suis un vidéaste génial. Je pars totalement en couille. Je suis désolé. Peut-être s'il y a des gens un peu partout là. Il y en a un haut. Oh, le petit double! Attends, on s'allonge. Il y a une série de 5 qui va arriver là dans un instant, vous allez voir. Hop là, série de 5, c'est parti. Série de 6 tout de suite, regarde. Série de 6, super. Allez, là on se casse. Oh, oh non. Là ça. Série de 7. Oh là là, la série de 7. Oh là là, la série de 7. Oh là là, la série de 7. Oh, si on peut faire back to back, mitrailleur hélico, c'est énorme. Je vais me cacher parce que je suis une pétasse, hein. Je vois pas de. Hop, 6. On va foutre ça là, regarde. On va foutre ça, le Predator. J'ai 4 kills à faire entre mon Harrier et mon Predator. Ok. Allez, allez, on rate pas ça. Let's go. Ok, on est à 2 kills. Il manque 2 kills pour le mitrailleur Heliprank. 2 kills et j'ai un mitrailleur Heliprank, les amis. On va essayer de se faire ça bah, correctement, tout simplement. Je pense qu'il y a peut-être des gens dans le souterrain. Ok, plus qu'un kill. Plus qu'un kill. Hop, plus qu'un kill. On va scoper. On va scoper. On va un peu moins camper cette fois, mais on va quand même scoper. Quand je regarde les spawns, je me dis qu'il y a quand même possibilité qu'ils arrivent de derrière moi. C'est quelque chose qui est assez largement possible, j'ai envie de vous dire. J'ai une connaissance des spawns parfaite, hein, je vous le dis. Il y a de bonnes chances qu'ils soient derrière moi. On va aller derrière moi. On va aller regarder derrière. Let's go! Chopper Gunner! Ouf! Je suis mort juste derrière Chopper Gunner, les amis! Chopper Gunner, vous êtes prêts? Chopper Gunner, oui! Vous êtes venu voir une vidéo de Chopper Gunner sur. Non, airspace tout crowded, mais c'est pas vrai! Et toi, t'allais jeter une grenade, hein, gamin, va! Ok, une assise, y'en a un qui est là aussi. Regardez, là. Non, y'a personne. Alors, je comprends le principe de vouloir passer en dessous. Y'a pas mal de gens qui veulent passer en dessous, tu vois, qui aiment bien ça, mais. Au bout d'un moment, you have to be a man, tu vois. Et vous devez passer aussi au-dessus, devant. Au bout d'un moment, faut que tu viennes, que tu me prennes les couilles comme ça, tu vois. Et que tu te... Que tu me prennes les couilles, ouais. Chopper, c'est bon, je peux? Allez, c'est parti. Chopper Gunner, mes friends. Wouhou. On est en 14-2, hein. Je suis très très heureux, c'est réellement... Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non! Mais what the fuck? J'ai pas eu mon Chopper Gunner! Mais non! Mais fuck les hackers! Fuck les modders! Fuck votre jeu de merde! Bon, en tout cas, moi, je suis très content de retourner voir nos amis modders, hackers. IW4X, c'est de la daube! Regardez, vous avez la preuve en vidéo, c'est trop trop nul! Mais pourquoi est-ce que je les ai sucés? Ça, c'est réellement la preuve d'une chose! Il faut toujours réfléchir avant de mettre la bite de quelqu'un en bouche, gros! Je suis là, je les ai sucés, leur jeu est fantastique, machin, ma bite! Alors qu'au final, regardez! Ils me font bugger mes Chopper Gunner! Vas-y, on va aller jouer au sniper. On va aller jouer au sniper pour se détendre parce que là, je suis pas très content, je vous cache pas. Hop là! Allez, un petit kill! Ah là, par contre. Y'a pas de flash scope qui. Pas de flash scope qui traîne, hein. Me cassez pas la tête, hein. Un peu suspicieux, l'ami, là. Hein. Non, mais c'est un cheater. Non, c'est pas un cheater. Wouhou! Kill. Allez, ce kill c'est le début de quelque chose là. Bon, on va aller se la donner au sniper ailleurs. Demain, je vais chez le dentiste pour un long rendez-vous. Un long rendez-vous, monsieur. Quand tu vas chez le dentiste et qu'il a prévu un long rendez-vous, tu sais très bien que tu vas te faire hagar la bouche, mon gars. Tu sais que tu vas prendre cher quoi qu'il se passe. Hein. Ah, quand je suis allé chez lui, qui m'a dit, cette dent-là a dévitalisé ça, une carie, ça, une carie, ça, une carie, ça, une carie. Mais c'est normal à votre âge. Ouais, ouais, j'avoue. Je dois mettre une couronne, puis après il m'a dit, écoute, mec, t'as le choix entre celle remboursée par la sécu en acier. Bon, t'as un peu l'air du Capitaine Haddock ou de Mister You, mais au moins c'est remboursé. Ou alors, t'en as une qui est un peu plus chère, un peu moins pris en charge, mais t'es beau gosse.
À ce moment-là, je me suis transformé en Zach, le Père Noël, et j'ai permis à ce dentiste d'encore se faire de l'argent dans les poches. Alors oui, cette map n'est pas censée être dans ce jeu. Ou quoique, je sais plus si c'est cette map qui est pas censée être dans ce jeu ou cette arme. Alors cette arme, je sais qu'elle est pas dans Modern Warfare 2, c'est ce qui fait la force de IW4X, hein, le fait d'avoir des choses un peu exclusives comme ça, rajoutées par des modeurs et tout ça, tu vois. J'aime bien aller leur faire un petit tour aux modeurs, hackers et différents cheaters que tu peux trouver sur ces serveurs. Y a pas beaucoup de cheaters, je dois avouer. Mais t'es sûr de trouver de quoi t'amuser et de quoi faire du beau jeu qui est pas toujours homologué par la convention de Genève, mais qui fait plaisir à la street, comme par exemple... Mais dégage ! Laisse-moi passer ! Ah ! Ah ! Ah ! Les saloperies ! Oh mon dieu ! Regardez-moi cette horreur, putain, mais sérieux ! Vous savez pourquoi je joue avec les G18 Akimbo? Tout simplement parce que j'ai lancé une game et je suis tombé dessus. C'est là que... Merde, il se fait pas rare. C'est là que je me suis rappelé à quel point c'était cheaté ces merdes. Donc du coup, tu vois, je fais un petit mix avec le sniper. Comme ça, ça passe bien, tu vois. Je me fais pas insulter. On veut pas ma peau, tu vois. Oh là là, non. Il va revenir, 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 il va revenir. Wouhou! Arié, mon ami! Arié, voilà, tu vois, je t'ai fait un peu de sniper. Et comme ça, je peux enchaîner. Oh, correct, marqueur. Il m'a dérangé, mon ami. En plus, j'ai fait un double kill, c'est dommage, j'aurais pu faire encore mieux. Et ben voilà, ça me fait plaisir de vous faire un peu d'anciens codes. Bon, après, ça, en ce moment, je fais un peu que ça en termes de code. Donc, de Black Ops à MW2, c'est vraiment le OG Zach. Hein. La prochaine fois, je vais venir te faire une vidéo en pantalon pas de def. Faudra pas faire le mec choqué, parce que bon, moi, je t'ai prévenu que je suis un OG. Voilà, Zach. Imagine quand même que le Harry détruisait le Pablo, et ça, c'est quand même quelque chose de fort, fort appréciable, mon ami. Bon, et bah, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite des bonnes vacances. Sincèrement, vous m'aviez manqué. Je suis content de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Bon, si vous avez quoi que ce soit à dire en commentaire, de gentil, de pas gentil, je les lirai au bord de la plage en direct d'Ajaccio. Pour ma part, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine ainsi que ce dimanche pour une nouvelle story. Normalement, hein, je vais voir pour essayer d'avoir quelqu'un qui peut venir me filmer à Ajaccio. Et je vous dis à la semaine prochaine, les frères. Bisous.